Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la version globale de Dokkan Battle pour l'Extreme Z Battle de Majin Vegeta. Il faudra privilégier la catégorie SCJ2 et DLR. Alors voici la composition que j'utilise. Mon problème en fait, j'ai pas le leader SCJ2. Du coup j'utilisais ce Goku multiforme ZTUR. Cauliflatek ne rentre pas dans la catégorie. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'elle a 100% d'esquive. Donc la stratégie, c'est de survivre. Bah, survivre et d'essayer de gratter ses PV. J'avoue que ça va pas être facile. Hein. Surtout survivre jusqu'à que KFC Tech se transforme. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, mes amis. Parce que c'est pas mon premier essai. C'est pas mon deuxième. J'ai arrêté de compter. Ça commence à faire beaucoup, là. Ouais, en fait, ce qui est chiant, en fait... On n'a qu'un seul leader SCJ2, et si tu l'as pas, voilà, tu vas galérer, parce qu'en fait le leader SCJ2, oh, triple SP, là il oublie bien, hein. Triple SP, le leader SCJ2 donne 170% de stats, il n'y a pas photo, alors que le Goku multiforme ZTR, il donne que 130% pour la classe super. Autant te dire que c'est pas hyper worse en fait. Ah, j'ai retiré une barre. Alors, tu vois là, tout dépend où est-ce qu'il va envoyer l'ASP. S'il envoie l'ASP ici, là ou là, je vais perdre. Il me restera quasiment plus de PV. Et c'est chiant en fait. Donc pour l'instant, je crois qu'il a pas bon, il a pas encore balancé de SP. Donc on va partir du principe que l'ASP va être envoyé au début. J'espère. Sinon, je suis mouru. Ce Goku CJ2, voilà, il sert de petit soin. Ah, là, là. J'espère qu'il va partir en spécie. Ça serait bien qu'il part en spécie. Parce que mine de rien, ça permettrait d'économiser pas mal de PV là. Allez, allez. Nice! Parfait les amis, parfait. Donc là on va pouvoir souffler pendant ce tour, on va perdre très peu de PV. Ça c'est bien, ça c'est bueno. Alors je vais essayer de rapprocher Gohan et l'agilité avec KFC. En fait le truc c'est que les deux là, en early, ils se font découper. Hein. J'ai pas de doublon sur KFC et Gohan j'ai à 100%, mais même Gohan 100%, il se fait découper. Ah regarde, mais patate comprend là. Ouf. Ça pique là. Alors elle a pris pas mal de stack. Alors lui, si je me rappelle, il se donne du ki. Ki plus 3 attaque en plus. Ok. Donc en fait, lui, c'est pas grave si je pars pas en spé. Je vais faire ça. Allez. KFC, là, elle a pris 3 stacks. J'ai pas de doublon. Et pour l'instant, il fait le taf. C'est l'Extreme Z Battle de Majin Vegeta, là. Le dernier niveau. Il y a vraiment beaucoup de PV. Et en plus, on fait pas beaucoup de dégâts, là. $2 700 000, tant qu'on n'a pas le lien pouvoir légendaire, on fait 0 de dégâts quoi. Ouais, j'ai pas Gohan et l'air. En fait, si vous avez Gohan et l'air agilité, le CJ2 là, bah, le combat va être plié, tu vois. Bon, lui, il a fait le taf. Ah, dommage qu'il n'a pas crit. Ok. Allez, il faut que l'ASP soit encore envoyé au début là. S'il vous plaît. Alors qui a le plus de défense ici? C'est Gohan, ok.
Merci beaucoup, Alex. Merci pour la force. Allez, on croise les doigts, les amis. On croise les doigts. On serre le fiac. Il faut que l'aspect... Nice! Là, c'est bueno, les amis. Là, c'est bueno. Alignement des planètes. En fait, mon problème, c'est que mon KB SSJ2, je ne l'ai pas farmé. Du coup, je le regrette. Voilà. J'avoue que le KB SSJ2 Tech, il pourrait très bien faire le taf. Mais sauf que enfin, le prix, je ne l'ai pas farmé. Je l'ai pas ZTER et tout. Ok. Ok, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Normalement, bientôt on va pouvoir transformer KFC Tech. Et ça va bien se passer. Je sais pas si je la transforme tout de suite parce qu'en fait je suis quasiment full life là. En fait, il faut à la fois. En fait, si vous avez des unités SSJ2 Tech LR et qui activent le lien à pouvoir légendaire, bah évidemment, le combat va être très très vite plié. Hein. Ah non, attends, la transformation, c'est quoi la condition? Sixième tour. Oh shit, faut attendre sixième tour. Attends, on vient de cliquer tour là. Hein. Ah, tour 5. Bah, c'est son tour suivant. Alors, là, KFC, mince, j'ai pas les qui. Lui, il a 118, là, non, trop dangereux. Je vais peut-être faire ça. Tant pis, hein, j'espère qu'elle va proc de l'attaque sup. Ah, là, c'est pas ouf, là. Hein. J'espère qu'elle va tanker. Moins de 100 000. Ça va. On est bien. On est solide. Plus de 200 000. C'est grâce au premier stack qu'on a pris. Alors peut-être qu'elle va proc le passif. Oui! Ah là là, comment il me carry là? Comment il me bien carry là? Ça c'est bien. Imagine Vegeta peut-être. Ah dommage. 3 doublons sur le Goku et le Gohan SSJ2 Tech. Ah, sur le Majin Vegeta. Ah ouais, bah si tu l'as, évidemment, il fait grave le taf. Hein. Alors, ici... Il y a moyen qu'on termine le combat. Faut juste espérer que l'aspect s'envoie ici. Et c'est GG. J'avoue que les deux specs qu'il a envoyé sur la colif là nous a bien sauvé là. Bah, décidément. Bon, il fait pas de dégâts, hein. Il a pas de lead ici. Encore une fois, il sert juste de joker. Allez, l'aspect. Aïe. Ah ouh. Là, attendez, faut pas vendre la peau de l'ours. Là, ça serait horrible si on perd là. Normalement, ah, je sais pas si on survit. Enfin, Goku il a pris des stacks, KFC aussi. On devrait survivre. Après, il reste une barre, les gars, une barre, une petite barre. Elle esquive aussi. Le Goku! Double SP! Ah bon, bah, pas d'attaque SP ici. Bon bah. Transformation! Ah. Ah, effectivement, les liens. Attaque supplémentaire garantie. Chance moyenne d'attaque spéciale, ok. La 100. Grande chance. C'est 70%. Ah, c'est pas de bol. Attendez, ne vendez pas la peau d'ours, les gars.
Bon, imagine Vegeta. Bon, KFC devrait plus ou moins tanker. Voilà l'esquive. L'attaque sup. Oh là 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 là, Zachary. Jusqu'au bout, les amis. On va Vegeta en premier. Oui, j'ai pensé à mettre Vegeta, mais il est. Encore une fois, si Vegeta se mange Aspi, on prend cher, quoi. Et voilà, les amis. Elles ont fait le taf. Elles ont fait le taf, là, les meufs, là. Coulifla et KFC, elles ont grave fait le taf. Voilà, les amis, on a réussi dans la douleur. Mais on a réussi. Voilà. KFC, Coulifla, 100% d'esquive. C'est ça qu'on veut, les amis. Je vais pouvoir éveiller mon petit Majin Vegeta. Voilà. Ça fait plaisir, les amis. Ça fait plaisir. Un nouveau ZLR dans la box. Voilà, il suffit de faire juste les 10 premiers niveaux. Voilà. Bon, ça coûte beaucoup d'argent quand même. Hein. Hop là. Et pour finir, on va mettre les KSOP, les amis. Allez. Je sens la luck arriver, les amis. Je sens la luck. Je sens qu'il va. Il va récupérer les Dakai. Les Dakai, les KSOP. Non. Alors, c'est fait shaft. 30%, les gars. Déconnez pas. Ah ouais, un par un. Ah, ça va être long, les gars. Encore un, là. Je peux en faire trois, quand même. Ah, deux. Mieux, déjà. Mieux. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la dernière, là. Allez. Et voilà, les amis. Majin Vegeta ZLR Spimax. Un petit doublon. Voilà. Sur ce, bonne chance pour ce ZLR. Pas facile, hein. Franchement, si vous n'avez pas les bonnes unités, ça va galérer. Sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce bleu soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Portez-vous bien. À très, très bientôt. Ciao.